Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft. La semaine dernière s'est déroulée la Minecraft Builders Con, la convention des constructeurs Minecraft, qui a été un peu désorganisée au début, hein. C'est toujours difficile pour des gens qui n'ont pas fait un énorme événement Minecraft d'avoir des serveurs qui tiennent, des choses comme ça, mais globalement ça s'est vachement bien passé, et les maps étaient magnifiques de toutes les différentes équipes. Ils vont mettre en ligne la map des plots. Il y avait une map où tout le monde pouvait faire des plots, mais pas les maps individuelles, je crois. Mais n'hésitez pas à chercher un petit peu. Quasiment toutes les équipes étaient représentées. Une map qui avait été faite pour l'occasion, ou alors des anciennes maps. Mais également, on a eu beaucoup de conférences, on a eu des panels, donc des discussions, des choses comme ça, des masterclass, donc des sortes de tutos sur différents aspects de la construction, et notamment, moi, comme je vous avais dit, j'ai donné deux conférences, une sur comment bien gérer une équipe de construction, que j'ai fait avec James D, qui est un des fondateurs et le directeur de Blockworks, qui est une très très grande équipe anglophone. Et j'ai également fait une conférence sur comment faire des cinématiques de construction avec Minecrafted Films, qui est une chaîne qui ne fait que ça. Donc voilà, ces deux conférences-là se sont ultra bien passées, mon humble avis. C'était super intéressant parce que dans les deux cas, on avait des techniques très très différentes, mais on se recoupait sur certains points, et puis globalement l'effet finissait par être le même, donc c'était assez intéressant de pouvoir comparer et voir comment arriver au même résultat avec des méthodes très très différentes. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur les annotations à l'écran, ou alors cliquer dans la description. Ce sont des conférences qui sont en anglais, mais j'ai tendance à parler de façon assez claire, donc dans le pire des cas, essayez les sous-titres, mais c'est à peu près 50 minutes les deux, enfin chacune. Écoutez, merci à tous, j'espère que ça vous plaira, et on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles cinématiques et des timelapses et tout ça. Voilà, bye bye.